Ah, les jeunes de nos jours. Combien de fois je l'ai entendu celle-là? Eh bien, les jeunes ont aussi leur mot à dire. Bienvenue à Génération Z, on s'exprime. Troisième saison de l'émission Génération Z, on s'exprime. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis le début et bienvenue à ceux qui se joignent à nous pour cette troisième saison. Aujourd'hui, on parle d'un sujet assez controversé, les grossesses chez les adolescentes. Et avec nous pour en parler, on a trois jeunes invités, Myriam, Jimmy, Virginie. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Merci. Et on a une jeune mère qui vient nous parler de son expérience, son témoignage, Youchabel. Bienvenue Youchabel à l'émission. Oui, bonjour. Première question que je me pose, quelles sont les causes des grossesses chez les adolescentes? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des jeunes filles de 15, 16, 17 ans qui tombent enceintes selon vous? Donc, selon moi, pourquoi les jeunes tombent enceintes? Évidemment, c'est sûr que c'est peut-être une question de faire un peu comme à l'image de nos parents, si on veut, dans le sens où est-ce que, bon, on a vu nos parents nous élever, on a eu des sœurs et des frères pour certains. Et puis, on a le sentiment d'appartenance à une famille. Et puis, à un moment donné, quand on a un copain, ça fait un certain temps, évidemment, on veut partir en appartement, avoir notre vie à nous, et puis se lancer probablement dans l'aventure un peu comme nos parents l'ont fait. Donc, peut-être les imiter, les suivre. Mm-hmm. Donc, je pense peut-être que les gens qui ont eu des sœurs et des frères et qui ont vraiment comme eu l'esprit de famille, d'être plusieurs, ont peut-être plus envie de se lancer dans une aventure comme ça. Puis Myriam, est-ce que tu es d'accord, toi, qu'à 15-16 ans, on peut déjà développer ce sentiment de vouloir fonder une famille? Moi, je suis d'accord pour dire que oui, certaines personnes, ça peut être dans leur plan de vie. Un peu comme tu dis, certaines personnes sont peut-être plus enclines à vouloir plus avoir ça dans la vie. T'sais, dépendamment de qui on est, parfois on a certains projets qu'on veut accomplir, mais il y en a également qui peuvent vouloir une famille assez tôt. Ça peut sembler assez contraignant pour certains, mais je pense que c'est également certaines personnes un choix. Mm-hmm. Même si pour la plupart d'entre elles, je présume que c'est pas nécessairement un choix de vie, que c'est plus ça arrive, puis OK, on va continuer dans cette lignée-là, mais je suis pas mal ton point de vue là-dessus. Moi, je pense aussi que... Je pense un peu comme Myriam, mais c'est aussi dans les valeurs aussi. Comme... Moi, je pense que si, mettons, tu as été élevé, comme tu disais, dans une grande famille ou que tu aimes les enfants, bien, c'est sûr que tu vas vouloir plus jeune peut-être avoir des enfants ou c'est peut-être aussi par contre-choix ou que tu n'étais pas sûr d'en avoir, mais ça va vraiment avec les valeurs, d'après moi. Puis toi, Virginie, corrige-moi si je me trompe, tu as 15 ou 16 ans? J'ai 15, je vais avoir 16 ans en novembre. 16 ans, OK. Est-ce que, une question comme ça, tu as le goût de fonder une famille ou déjà, là, ça te passe par l'esprit ou du tout? Non, pas présentement parce que moi, j'ai dans la mentalité que je veux terminer mes études et qu'à un certain âge, quand je vais être bien avec mon conjoint ou mon mari, je vais avoir des enfants. C'est pas tout de suite dans ma mentalité à moi, dans mes valeurs. Moi, je pense que je vais prendre mon temps mm-hmm. pour avoir des enfants. Puis est-ce que toi, dans le milieu scolaire, à ton école, est-ce que tu vois des jeunes de ton âge qui sont soit enceintes ou qui ont le goût déjà de fonder une famille? Oui, par exemple, l'année passée, il y a une fille à mon école qui est tombée enceinte. Elle a quitté l'école et elle planifie de retourner à l'école. Mais je crois qu'avec son bébé, c'est dur présentement ce qu'elle vit parce que le papa n'est pas nécessairement là et c'est, au moins ses parents sont là pour la supporter. Mm-hmm. Et toi, Youchabel, tu es jeune mère, tu as eu ton enfant, ton premier enfant à quel âge? J'ai eu un enfant, je l'ai eu à 21 ans. OK. Raconte-moi ton expérience. Pourquoi est-ce que c'était par choix? C'était un accident? Comment ça s'est passé? Bien, c'était plus, en fait, un accident. C'était pas par choix. Okay. Mais moi, j'ai décidé de le garder, de prendre mes responsabilités, de pouvoir élever mon enfant dans un bon environnement. Puis le père aussi était d'accord. Lui aussi, c'était vraiment aucun avortement. On avait déjà décidé ça depuis le début. Puis on s'en occupe, puis on n'a pas de problème, on fait ce qu'on doit faire. On est bien encadré aussi. C'est pas tout le monde qui a la chance d'être bien encadré aussi, d'avoir du monde qui va les aider, puis tout, puis c'est ça. À 21 ans,
on peut sembler que c'est un âge respectable pour avoir un enfant parce qu'on a atteint l'âge adulte, mais est-ce que tu considères qu'une jeune de 15-16 ans, c'est trop tôt pour avoir un enfant? Bien, pour moi, je pense que ça dépend. Si tu as une bonne maturité, tu sais comment gérer ton temps, gérer tes choses, je pense que c'est pas de penser à l'âge, c'est plus la maturité. Parce qu'un enfant a besoin beaucoup d'amour, d'encadrement. Il a besoin aussi d'être bien dans son environnement. Mm-hmm. Puis il faut que la mère et le père aussi puissent lui donner, lui apporter tout ça. Fait que c'est pas l'âge qui détermine si tu es capable de t'occuper d'un enfant ou pas. C'est vraiment ta maturité. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'à 15-16 ans, les jeunes filles ne sont pas développées à 100%, ne sont pas rendues à une maturité pour nécessairement être enceinte. Vous en pensez quoi? Vous ne trouvez pas que c'est un peu jeune, le fait qu'on n'est même pas, la femme n'est même pas assez développée pour faire un enfant? Ben moi, je pense que ça dépend de tes expériences de vie. Il y en a qui ont, dès l'âge là, de 15-16 ans, ils ont vécu beaucoup de choses ou ils en ont appris beaucoup. Donc, je pense que ça dépend des valeurs et tout ça que tes parents te donnent. Je pense que si tu es supporté à 100%, en plus, tu vas recevoir de l'aide de l'extérieur. Donc, je vois pas pourquoi une personne serait pas prête. Si elle a tout ce qu'il faut, let's go. Il y a aussi le fait, une des causes que je trouve, c'est que les jeunes filles de 15, 16, 17 ans ne sont pas conscientes des méthodes de contraception qu'il y a et par hasard ou par accident décident de tomber enceinte. Mais je pense que ça crée vraiment une problématique. Pensez-vous que c'est vraiment une problématique de ne pas être conscient de cette réalité-là et décident de tomber enceinte, mais elles ne savent pas qu'il y a des conséquences qui peuvent arriver selon vous? Moi, j'ai l'impression qu'on ne mise pas assez sur la prévention et qu'on n'explique pas non plus les conséquences reliées à ce choix-là de garder l'enfant parce que, tu sais, peut-être qu'on a une version très imagée de ce que ça peut avoir l'air versus qu'est-ce que c'est vraiment au quotidien d'élever un enfant. Je veux dire, moi, personnellement, j'ai 21 ans et je sais que je ne serais pas prête à élever un enfant parce que, tu sais, je ne suis pas rendue là dans ma vie. Je sais que j'ai beaucoup d'autres projets qui vont entrer en conflit avec ça. Puis peut-être que les gens ne pensent pas nécessairement à ça avant de se dire, OK, est-ce que je garde l'enfant ou est-ce que je me fais avorter? Mm-hmm. Toi, Jimmy, tu penses-tu que, justement, 15-16 ans, c'est trop tôt? Faudrait, je sais pas, moi, que il y ait une loi ou une règle qui dise qu'à 18 ans, ce serait l'âge pour le faire parce qu'il y en a qui sont pas prêtes à cet âge-là d'avoir un enfant. Non, mais c'est certain. Ça va jouer aussi un peu, comme on parlait tantôt, un peu d'avortement. Ça va jouer là-dessus. Est-ce que tu es d'accord ou non avec ça? Parce que c'est une solution, mais pas pour tout le monde. Fait que c'est sûr et certain que quand tu es contre ça, c'est pas dans tes valeurs à toi, ben tu fais face à la réalité. Regarde, c'est arrivé, donc tu fais avec. Et puis, tu fais tout ce qui est en ton possible pour faire le mieux que tu peux. C'est sûr et certain que 15-16 ans, comme on a dit tantôt, c'est un peu jeune, mais si une personne a tout ce que ça lui prend, pourquoi pas? Mm-hmm. Exact. Puis, saviez-vous que, selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a près de 16 millions de jeunes femmes entre 15 et 19 ans qui tombent enceintes à chaque année? Donc, c'est quand même un phénomène très répandu à travers le monde. Comme deuxième question, je me pose, c'est à qui la faute quand il y a des jeunes femmes qui sont enceintes? La fille? Le gars? Les parents, le gouvernement, question que je me pose, mais avant de répondre à cette question, j'aimerais vous présenter un reportage de jeunes filles qui sont tombées enceintes. Voici ce que ça donne. Elles venaient à peine de sortir de l'enfance et pourtant, elles sont tombées enceintes. Mon copain qui m'a dit « t'as pris du ventre, t'as pris des seins, t'es ludatique ». On a fait un test et puis il s'est révélé positif. Et alors là douche froide. Je savais pas si je voulais garder le bébé, enfin je réalisais pas du tout ce que c'était. Je disais que ça pouvait pas arriver à moi, parce que ça arrive toujours aux autres, évidemment. Elles n'étaient que des jeunes filles. Je tombais enceinte à l'âge de 14 ans. Du moment que j'avais choisi de la garder, je devais l'assumer. Moi, je suis tombée enceinte aussi à 14 ans et maintenant j'ai 21 ans avec une petite fille de 6 ans. Certaines ont même fait le choix d'avoir un bébé. J'ai voulu devenir maman très jeune. Je suis tombée enceinte à 16 ans, mais depuis 12, 13, 14 ans, je pensais à un enfant. Comment leur entourage a-t-il réagi?
difficile, c'était le regard des gens, vu que mes copines, elles m'ont laissé tomber. Ce qui me faisait peur, justement, c'est qu'elles n'avaient pas de doute. Pour elles, c'était sûr qu'elles allaient s'en sortir, qu'elles allaient très bien se débrouiller. Quand on est si jeune, peut-on devenir une bonne maman? Je l'amenais à la crèche, j'allais au cours, je retournais à chercher, je revenais à la maison. C'est pas parce qu'on est maman adolescente qu'on est forcément une mauvaise maman. On peut être épanouie. Aujourd'hui, j'ai 20 ans et j'attends mon deuxième enfant, donc c'est possible. On constate que plusieurs jeunes filles, avant l'âge de 18 ans, sont confortables à avoir un enfant, mais il y a quelques femmes, quelques jeunes filles que ça leur pose problème. Et je voulais savoir quelles sont les conséquences, selon vous, d'une jeune fille qui tombe enceinte. Ben c'est sûr et certain qu'il y a plusieurs conséquences reliées à ça, dont peut-être les gens ne réfléchissent pas peut-être à leur projet futur. Parce que c'est sûr qu'à 16 ans, bon, tu finis ton secondaire, là. Mm-hmm. Est-ce que tu veux poursuivre des études? Est-ce que c'est sûr que ça va pas te bloquer un peu par rapport à ça, parce que tu peux conjuguer les deux, mais c'est parce que souvent, après ça, je veux dire, t'as besoin d'une job aussi. Fait que là, t'es rendu avec l'école, le travail, puis ton enfant, selon moi, c'est pas évident. Puis c'est peut-être plus ça là, qu'il faut vraiment prendre le temps. Pensez-y bien là, par ça. Rapport à ça. Mais moi, je pense, c'est ma perception, que les jeunes filles, par exemple, une jeune fille tombe enceinte à 16 ans, rendue là, elle peut pas nécessairement aller à l'école parce qu'elle a un enfant à s'occuper. Puis ça coûte de l'argent, un enfant, veut pas, faut lui donner à manger et tout. Donc, moi, je pense que rendus à cet âge-là, ils sont obligés juste de travailler pour subvenir aux besoins. Pensez-vous que c'est ça ou une fille peut vraiment faire les deux en même temps? Moi, je pense qu'à moins d'être vraiment très bien encadrée, comme dans certaines familles, par exemple, la mère de la fille va peut-être faire « OK, regarde, je vais prendre ton enfant en charge pendant que toi, tu continues à aller à l'école, mais... » Je pense que dans la majorité des cas, la jeune fille n'est peut-être pas aussi bien encadrée. Donc oui, c'est vrai que les études doivent pas prendre le bord, mais ils vont quand même prendre un bon coup. Puis vivre avec un salaire d'étudiant, je veux dire, quand tu es étudiant, tu ne travailles pas nécessairement à temps plein. Tu travailles à temps partiel, bien souvent au salaire minimum. Donc élever un enfant avec ça, comme je disais, à moins d'être très bien encadré, c'est clair qu'il y a quelques petites difficultés qui doivent arriver. Là. Exactement. T'sais, comme Myriam elle disait, il faut vraiment être bien encadré. Puis mon amie présentement, elle est quand même assez bien encadrée. Et des fois, elle vient à l'école parce que mon école est assez ouverte là-dessus. Et elle prend des cours avec certains profs, mais des fois, elle prend des cours à la maison aussi parce que c'est ça, il faut être bien encadré. Elle a été chanceuse, mon amie. Que sa professeure, sa mère, c'est une professeure, donc elle a été vraiment très chanceuse. C'est vraiment, je vais le dire de même, c'est vraiment avec de la luck. T'sais, tu peux être très bien encadré comme tu peux être vraiment pas encadré. Puis si t'es pas encadré, tu vas devoir travailler. Puis si le père est pas là, il faut que tu t'arranges tout seul avec ton enfant. Oui, effectivement. Puis comme justement, ça peut causer problème concernant l'horaire, concernant le plan de vie. Ça, je sais pas, quand une fille se retrouve dans cette situation-là, est-ce que c'est la faute de la fille parce qu'elle est tombée enceinte? Est-ce que c'est la faute du gars ou c'est la faute des parents qui ont pas nécessairement donné l'éducation sur ça par rapport à leur enfant? J'aimerais avoir ton point de vue là-dessus, Yushabel. Ben moi, qu'est-ce que je pense vraiment, c'est plus dans l'environnement que cette personne a été mise, parce que on s'entend qu'il y a plein de personnes qui ont des vécus différents aussi. On s'entend aussi que maintenant dans la société où qu'on vit, il y a beaucoup, on hypersexualise aussi beaucoup les choses dans la publicité, dans les musiques, fait que c'est facile aussi à manipuler les adolescents puis qui pensent que c'est facile que en tout cas de se lâcher, fait que ça ne veut pas nécessairement dire que c'est les parents aussi. Tu ne sais pas non plus comment que les parents les ont élevés. Tu ne sais pas non plus à l'école qu'est-ce qui se passe à l'école exactement. On ne peut pas savoir vraiment c'est la faute à qui. Moi, je dirais que c'est la faute à tout le monde, on s'entend? Mm-hmm. On vit en société, alors je pense que c'est tout le monde qui est fautif là-dedans. Okay. Mais trouvez-vous pas que, justement, peut-être que les écoles devraient faire des efforts pour mieux éduquer les jeunes au secondaire, pour leur dire qu'écoutez, là, c'est peut-être amusant de vouloir fonder une famille, mais ça vient avec
énormément de responsabilités et peut-être qu'à 14, 15 ans, 16 ans, c'est pas une bonne idée, selon vous. On est déjà averti à l'école. Moi, dans mon école, à date, on a tout le temps des conférences là-dessus. On se fait beaucoup parler de ça, les conséquences qui arrivent. Puis on se fait souvent, on a tout le temps des cours de sexualité qui viennent à l'école au moins une fois par an. Ce qui est poche à date, je pense que moi, qui est en secondaire 4, à date, on n'aura pas, mais on va avoir des pièces de théâtre qui vont parler de ça. Puis on va, en secondaire 3, moi, je me rappelle, on avait eu au moins 4 conférences là-dessus. Puis on est quand même bien averti. Moi, d'après moi, c'est un choix. C'est pas la faute de personne, c'est vraiment un choix. C'est pas, tu peux pas mettre la faute sur quelqu'un. Mais dans le cas que c'est un accident, parce que c'est souvent le cas, les jeunes filles tombent enceintes accidentellement parce qu'ils se sont pas protégées ou peu importe l'autre raison. Dans le cas que c'est un accident, qu'est-ce que ça peut vraiment créer comme conséquence directe? Lorsque l'enfant va naître, il y a des bonnes chances qu'il soit mis dans des mauvaises conditions, trouvez-vous? Bien, pas nécessairement. Si le support de la famille est adéquat, puisque évidemment, la jeune fille qui tombe enceinte à 15-16 ans a des parents, des grands-parents, puis je pense que le bébé qui va naître, ces personnes-là vont être aussi en mesure d'aider. Parce que, bon, quand on apprend que sa fille de 15 ans est enceinte puis qu'elle veut garder l'enfant, évidemment, on va tout faire pour l'aider. Là. Ben, en tout cas, je parle pour moi. Là. Moi, c'est ce que je ferais. Vraiment, là, j'aiderais mon enfant. Fait que, si cette personne-là a un support, ça va être correct. C'est sûr et certain qu'une personne qui... une petite fille qui tombe enceinte, qui là, son chum, il capote, il s'en va, puis cette fille-là n'a pas le support nécessaire à la maison, là, ça peut être plus problématique, là, effectivement. OK. Puis, on n'en a pas parlé, mais il y a plusieurs jeunes filles qui décident de ne pas avoir d'enfants et qui ont recours à l'avortement. Puis on constate qu'au Québec, l'avortement augmente de 4 % à chaque année. Est-ce que c'est une conséquence vraiment négative pour la fille de faire un avortement? Parce que c'est pas bon nécessairement pour le corps de la jeune fille qui est encore en développement. Ou selon vous, est-ce que l'avortement, c'est une bonne idée ou c'est une conséquence qu'il faut vraiment éviter? Moi, j'irais peut-être rapidement dans la lignée où il faudrait peut-être plutôt prévenir, plutôt guérir, donc peut-être un peu plus de prévention pour justement éviter, parce que si ça monte de 4 % par année, ça prouve qu'il y a peut-être une lacune au niveau de la prévention, parce que peut-être que c'est pas tout le monde qui est vraiment au courant des dangers, bien, des dangers de l'avortement, je veux dire, c'est quand même une opération, donc c'est quand même traité cliniquement, puis il y a certainement des conséquences morales qui s'ajoutent à ça, parce que la fille pourrait avoir des remords, pourrait pas se sentir bien, je veux dire, c'est pas juste physique, il y a également quelque chose qui se passe au niveau psychologique. Ouais, mais c'est exactement ce que je pensais. Mais toi, Ishabelle, par exemple, tu avais eu ton enfant plus tôt, à 15-16 ans. Aurais-tu recours à l'avortement? Moi, non, parce que ça dépend aussi dans les valeurs. Parce que moi, je suis aussi catholique. Puis c'est quelque chose que je peux pas, que j'aurais pas pu supporter. Fait que c'est... Donc, peu importe, Ishabelle, si tu avais eu ton enfant à 15 ans, 19 ans ou 21 ans, tu aurais décidé de garder l'enfant et tu t'es dit que... Peu importe l'âge, tu as atteint la maturité et tu es prête à fonder une famille. Oui. Comme troisième question, je me pose, quelles sont les différentes solutions pour régler cette problématique? Mais avant d'y répondre, je vais vous présenter une courte entrevue que j'ai faite avec une travailleuse communautaire, Mme Joanne Lamère. J'ai l'immense plaisir de recevoir Mme Joanne Lamère, qui est travailleuse communautaire. Comment qu'on décrit votre emploi, madame? Bien, moi, je travaille pour le Bureau de consultation jeunesse. Nous, on travaille avec les jeunes de 14-25 ans. On a une ligne d'intervention, entre autres, que vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 10h à 16h. Okay. On est dans les écoles, on fait du travail milieu, donc on travaille avec les jeunes mères. Les jeunes pères, les jeunes okay, en général. OK, les pères aussi. Oui, okay. On travaille avec les jeunes pères aussi. OK, puis si jamais il y a une jeune fille ou un jeune garçon qui sont pris dans cette situation-là d'avoir être enceinte très tôt et qui n'ont pas de ressources, les parents sont pas là, les amis sont pas là, tout le monde est parti, qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Bien, je pense que la première chose, ils peuvent nous appeler. Okay. Ou est-ce que nous, entre autres, c'est ça, au bureau de consultation jeunesse, on est là pour supporter les jeunes, pour regarder avec eux leur situation, puis qu'eux ils puissent faire un choix éclairé. Alors, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour vous joindre? Oui, c'est le 514-270-9760. C'est un numéro à Montréal, mais ça couvre, là, on est à Longueuil, Laval et Montréal. OK. Et comment s'appelle spécifiquement votre organisme? Le bureau de consultation jeunesse. Parfait. Merci beaucoup, Mme Lamaire. Merci. Comme troisième question, je me demande, quelles sont les différentes solutions pour contrer cette problématique? Selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait moins de jeunes filles qui tombent enceintes? Bien, moi, j'irais dans la lignée vraiment, OK, on pourrait commencer par des témoignages, plus de prévention pour prévenir. Comme Virginie, tu disais, dans les écoles, moi aussi, j'ai également eu ça, des pièces de théâtre qui mettent en scène ce que c'est vraiment la vie avec un enfant en bas âge quand tu es encore une adolescente. Donc ça, d'une part, je pense que c'est vraiment au niveau de la prévention. Aussi, également présenter les différentes conséquences qui s'ajoutent lorsqu'on décide de garder l'enfant. Puis ensuite, ça, c'est fait d'une part, mais d'un autre côté, si la fille décide vraiment de garder l'enfant, OK, parfait, tu gardes l'enfant, bien écoute, on est quand même là pour t'épauler, on te présente à des organismes, il y a du monde qui sont là pour t'aider, pour t'encadrer. Donc, je pense que ce serait deux solutions envisagées. Jimmy, est-ce que tu es d'accord que faire de la prévention dans le milieu scolaire, ça peut aider à contrôler? Bien, c'est sûr que le milieu scolaire, puis il ne faut pas oublier non plus que il faut que les ressources soient là. Je veux dire, en date du 22 septembre, la DPJ disait qu'ils ont à dealer toujours avec des compressions budgétaires, puis que là, ça commence vraiment là, à leur nuire. Et puis, ils ont environ, ils disaient, 83 000 appels logés chaque année. Donc, évidemment, là, c'est pas juste au niveau des jeunes filles enceintes, mais des gens qui ont des problèmes à tous les jours. Et puis, il faut que les ressources soient là pour aider ces gens-là. Parce que c'est sûr et certain que là, évidemment, on parle des grossesses à bas âge, mais si la personne subit en plus de la violence à la maison et des trucs comme ça, c'est rien pour aider. Donc, c'est vraiment, je pense, de mettre là, en valeur un peu toutes les ressources que les gens ont accès, puis de vraiment favoriser ça. Là. Puis effectivement, c'est quand quelqu'un tombe enceinte en bas âge, c'est souvent, ça va tout le temps revenir sur elle, puis c'est comme « Ah, elle a fait ça, elle a fait ça ». Fait que la personne, elle risque d'être comme renfermée sur elle-même, puis elle n'ira pas chercher de l'aide, tu sais, au communautaire. Puis moi, je pense qu'à chaque fois que ça arrive et que quelqu'un tombe enceinte en bas âge, l'école ou même ses parents devraient intervenir, puis lui donner des pamphlets, puis faire « Regarde, on t'aide, on est là pour toi ». Puis juste pour la sécuriser, parce que comme j'ai vu à mon école, souvent quand quelqu'un arrive avec son bébé, ça fait tout le temps comme des ragots, puis c'est comme « Oh mon Dieu, elle a un bébé, elle est en bas âge, elle va rien faire dans la vie ». Non, c'est pas vrai. Si t'es, comme déterminé à faire quelque chose, puis à élever ton enfant comme il faut, c'est... Moi, des fois, ça me tue quand je vois ça, c'est juste comme on devrait tellement les aider, puis eux autres ils sont pas capables de venir chercher comme cette aide-là par eux-mêmes. Et toi, Yushabel, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour essayer, bon, peut-être pas régler ce problème, mais mieux, par exemple, mieux encadrer ces filles? Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme moyen? Je pense en fait c'est plus qu'ils soient mise au courant des organismes communautaires qui peuvent les aider, parce qu'il y en a quand même beaucoup. C'est juste que c'est difficile aussi. C'est sûr que si tu es enceinte à un âge plutôt un bas âge, c'est sûr que tu ne vas pas penser à faire des recherches, à savoir où ça se trouve. Puis des fois, c'est très difficile de savoir. Des fois, c'est aussi par bouche et oreille. Ça serait mieux que ça soit plus visible, que ça soit plus à leur portée aussi, pour qu'ils sachent, oh, regarde, tu peux, si tu as besoin de pour des produits, je ne sais pas moi, alimentaires, tu peux aller à telle place. Si c'est pour garder ton enfant, ça serait peut-être à une autre place que tu peux... que tu peux avoir du support, puis aussi apprendre de comme elle a dit aussi, des témoignages aussi de d'autres mères qui a pu vivre la même chose. Fait que moi, ça serait vraiment de pouvoir donner toutes ces informations-là, pas seulement aux jeunes mères, mais à toutes les filles ou garçons, peu importe, à tout le monde qui sache que si au moins tu as un enfant, si tu décides d'avoir un enfant,
tu as quand même un encadrement ailleurs que seulement à l'école ou de ta famille. Surtout, il y en a qui n'a pas de famille, il y en a qui les mettent dehors aussi. T'sais, on ne sait pas, tout le monde a un vécu différent. Exact. Et est-ce que vous pensez, bon, on parle du milieu scolaire, mais est-ce que vous pensez que les professionnels à l'école, ou les directeurs, peu importe, devraient donner des moyens de contraception, devraient distribuer des condoms aux jeunes et la pilule pour essayer de contrer ça, selon vous? Mais moi, je pense qu'ils devraient, eux autres devraient être aussi plus informés de comment réagir face à cette... À ce contexte-là qu'une fille, une jeune fille de bas âge a un enfant. Parce que donner des condoms, c'est bien facile, là. Mais pouvoir aider cette personne-là, c'est plus difficile. Puis c'est quelque chose qui va mieux les donner un meilleur bagage pour eux que seulement donner un condom, puis bah, il fait ce que tu veux. Non. Je pense que ça serait mieux. Oui, puis je pense qu'aujourd'hui, là, vraiment, là, les jeunes, ils vivent plein de choses, autant à la maison qu'à l'extérieur. Puis j'ai l'impression que les gens à l'école, là, c'est vraiment, là, ils sont rendus des premiers intervenants dans des choses comme ça. Les jeunes vont se confier à leur professeur ou à la, tu sais, la travailleuse sociale. La travailleuse sociale, elle est équipée pour répondre à ça. Puis peut-être moins, justement, les surveillants d'élèves et puis ces choses-là. Puis je pense que ça pourrait être important, justement, peut-être faire un peu de formation à ces gens-là, leur donner des trucs et astuces, quoi faire un peu quand, justement, il arrive des situations comme ça, pour mieux venir en besoin, là, en aide à ceux qui sont dans le besoin. Parce qu'on s'entend qu'un jeune, mettons, de 15-16 ans, il passe la majorité de son temps à l'école, donc c'est peut-être là qu'il y a les premières ressources pour être déjà établies. Puis, tu sais, c'est facile de juste distribuer des condoms, mais quand ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est vraiment bien équipé pour réagir face à ce problème-là? Je pense que la personne, la jeune fille, serait plus enclin à aller vers ces ressources-là si justement c'était un petit peu socialement accepté, si on ne la pointait pas du doigt à chaque fois, parce que si on se fait pointer du doigt, on aurait tendance à se cacher plutôt qu'à se montrer. Puis après ça, c'est dur de tendre la main ou c'est dur d'aller chercher ces ressources-là. Donc, je pense que dans les écoles, ça devrait, comme tu disais, vraiment une formation au niveau du personnel pour mieux réagir face à tout ça. Exact. Puis je vais en revenir à ce que j'ai dit précédemment dans l'émission, l'avortement. Si on décide d'interdire l'avortement, est-ce que ça va pousser les jeunes filles à réfléchir, à se dire, OK, ben il faut vraiment que je fasse attention pour pas tomber enceinte parce que j'aurais pas le choix de garder l'enfant? Pensez-vous que ça serait une solution, ça? Oui, mais comme avant que l'avortement soit permis, il y avait des femmes qui tombaient enceintes et ils trouvaient tout le temps le moyen quand même de s'avorter eux-mêmes. Donc, c'était plus dangereux ça que se faire avorter. C'est un choix, oui, mais quand tu y penses, parce qu'à l'école, ils nous disaient que avant que ça soit permis l'avortement, les filles faisaient n'importe quoi. Ils pouvaient prendre les pines à tricot pour s'avorter eux-mêmes, sans, pour pas que leurs parents le sachent. Parce que c'était une tragédie pour leurs parents quand ils tombaient enceintes, parce que ça voulait dire qu'ils étaient allés voir quelqu'un, puis qu'il s'était passé quelque chose, puis que c'était interdit dans ce temps-là. Mm-hmm. Fait que moi, je pense qu'on devrait pas l'interdire, mais qu'on devrait le montrer. Est-ce que tu es sûr? Poser des questions là-dessus. Mm-hmm. Pas juste, OK, tu veux te faire avorter, OK, c'est correct. Juste poser des questions, t'es-tu sûr? Puis préparer la personne mentalement. Exact, ça. C'est ça, la préparer finalement. Mm-hmm. Écoutez, je tiens à vous remercier d'avoir participé à l'émission. Ce fut une très belle discussion. J'aimerais vous poser la question à vous, cher public, que vous pouvez répondre sur notre page Facebook Génération Z, on s'exprime. Et ma question est la suivante. À quel âge ce serait acceptable pour une jeune fille d'avoir un enfant? Donc, allez répondre à cette question sur notre page Facebook. Et la semaine prochaine, on parle d'un autre sujet assez controversé, le suicide. Bonne fin de journée tout le monde, à la prochaine.